Bon les mecs, après cette longue maintenance qui nous a tenus en haleine pendant des heures, et oui, il est 15h51 à l'heure où je vous parle, et on va pouvoir enfin accéder à FUT. Du coup, on va ouvrir les récompenses Division Rivals et les deux packs 83x10 aussi, que je vais ouvrir. Voilà, il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que je garde pour la TOTY. Pas tant que ça, tant que le taux de drop est aussi naze, ça sert à rien de garder, autant ouvrir, plutôt que d'être déçu quand la TOTY va sortir. Et tout simplement, give up le jeu. Donc, on va ouvrir ça maintenant. Et j'espère qu'on va avoir du Centurion. Ça serait le premier, les gars. On n'en a toujours pas eu sur le coup. T'as envie de te régaler sur FUT et de te payer les meilleurs joueurs du jeu? Alors, tu peux check IG Vote. Les crédits sont livrés très rapidement. Et en ce moment, on te propose 8% de réduction sur ta commande. Tout est en description. Bon, la dernière équipe en date, c'est celle-ci. Les mecs, je vais vous rediriger directement vers la vidéo de la veille qui est sortie, où je fais un gros point tactique sur celle-ci. J'ai totalement changé de dispo et de tactique. Allez voir, les gars, ça sera dans un coin de l'écran. L'équipe, elle est très, très belle. Mais voilà, comme d'hab, on aimerait changer un petit peu. Chaque semaine, je teste des joueurs. Et là, bah écoutez, si on pouvait packer un petit Trent, par exemple, on serait content. Après, il y a pas mal de joueurs sympathiques. Dernièrement, on a eu Van Dijk, qu'on était content. Et on a fait Mahrez en SBC, que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, du coup, on va ouvrir nos récompenses en division, division Rivals. Du coup, je suis en division 1. On va récupérer, comme d'habitude, les invendables avec deux packs à 100 000 et, il me semble, deux packs hors prime. Et à la fin de cette vidéo, on ouvrira les fameux packs 83x10. Il y en a deux et on va ouvrir les deux, les gars. Voilà, j'attends pas du tout la TOTY. Comme je vous disais, le taux de drop est trop claqué pour ça. Ouais, il est pas mal, ce pack. Le 83x10, il peut être intéressant. Après, il y a un truc à prendre en compte, les gars. C'est que les 85+, ils valent plus cher. Ça me fait vider un petit peu de 83 et de 82. Ça, on a tout le temps en double. Bon, moi, j'en fais un. Comme ça, il m'en restera qu'un à faire. On va alléger un peu notre club. Et ça va éviter de jeter à chaque fois qu'on pack un 82. Je vais me refaire en notes. Sauf que ceux-là, j'ai quand même un peu envie d'attendre. J'attends l'équipe 2 des centrifusions, là. Et les TOTY. Oh, boost. Allemand. Bon, Leno. Leno, ok. C'est un boost, après, je sais pas. C'est un gardien, en vrai, il est peut-être fort, hein, Leno. Leno, c'est intéressant. J'ai de la PL et j'ai des Allemands aussi. J'ai Kroos et j'ai Schweini. Pas les gardiens, j'aime bien tous les tester. J'aime bien tous les tester, les gardiens, pour vraiment en trouver un très fort et le garder limite toute l'année. Pack méga, vas-y, 82 de gêne, allez. Oh, allez, en gros, en gros. Anglais. Oh, je voulais... Putain, il fallait donner Trent. Oh, c'est bien quand même, mais il fallait donner Trent. Putain, j'ai vu anglais, j'ai dit ça y est, ils vont le donner. Mais il est fort apparemment, hein, Milner. Hein. Il est pas mauvais. Invendable, bon, bah voilà, au moins on en a eu un. Hein. Double 4, ouais, il est intéressant, il est intéressant. Il doit pas être si nul que ça, hein. Il a des vrais stats en calme et réactivité, ça c'est bien. Hein. Ouais, il peut jouer latéral, mais bon, il est trop lent. Mais quand même, quand même, quand même, au moins on en a eu une. Mais c'est dommage, putain, Trent, il était à deux doigts. Hein. Animé. Belge. Ah, Courtois, eh, ça y est, ça enchaîne, les gars, 90. Allez, c'est parti, les gars, la chance, elle est revenue. Oh, les notes, ça y est, regardez. Il est beau. Eh, on a un autre pack méga, là, je le sens bien, celui-là aussi. Regardez. Ah, 85. Bon, ben, on le prend, hein, pour le pack, l'autre. On le tente, celui-là. 5 joueurs, 84. Qui c'est? Anglais? BU, c'est qui? Merde, il y avait Kane. Putain, Abraham. Ça peut tout cacher, après, hein. Oh, mais les... Fils de... J'en ai eu que deux et il me donne deux, les deux mêmes. Allez, c'est bon, à un moment, faut aller se faire foutre, quoi. C'est pas possible, putain, pourquoi il donne pas Jordi Alba que j'ai pas? Bon, ben, au revoir Milner, hein, évidemment, qu'on pack deux fois. On a eu 200 troufions et ça a été les deux mêmes. Je sens qu'on va bientôt packer une icône, c'est sûr. Peut-être pas aujourd'hui, mais il y a une icône qui va être packée sur ce compte. C'est obligé, on a trop rien depuis des lustres. Je connais le jeu, à un moment, ça tourne. C'est même pas animé. C'est même pas animé. Ah si, c'est animé, mais c'est pas fou. Dybala. Oh, c'est toujours mieux que rien, hein, Dybala. On a eu Emmanuel Macron, les mecs. Bon, ben les gars, hey, 31 packs restants. J'en tente un comme ça. Et après, on fait les 83x10. Ok. Bon, c'est animé. Dernièrement, on a eu Van Dijk, on était content. Vraiment, ils font exprès. Non, mais cette année, c'est trop. Vraiment, c'est trop cette année. On est bon, les gars, pour le premier défi. J'ai plus les mots, sérieux, les gars. Vraiment, je me fais vraiment chier dessus sur ce compte. Et il y en a qui osent dire que j'ai de la chance sur ce compte, mais non, c'est pas possible, les gars. On va faire le 83x10, j'ai pas le temps, Politano. Ça va faire trop juste pour moi. Les gars, 83x10, on ouvre maintenant. Fait que, vas-y, on va cacher.
Ok. J'ai ouvert, les mecs, le 83x10, le gros pack de la vidéo. On va ouvrir les deux, les gars. Alors, combien de doubles? Ouf. Ouais, bon, 7 doubles. 7 doubles. Fabian, Mendy, Neves, Asensio, Zapata, Di Maria, Chic. On va pouvoir finir Politano avec les 83, là. André Ligno, Kovacic. Non, mais à un moment, faut arrêter le foutage de gueule, là, les gars. Je vais tout casser. Ça me rend fou, ce compte de merde. Les seuls trucs spéciaux qu'on a, c'est des SBC. Putain, j'en peux plus, les gars. Sérieux. Au moins, à chaque fin de stream et de vidéo, on fait un SBC. Politano, je voulais le faire, en plus, les mecs. Le dernier, on l'affronte, les gars. Ça paye pas de faire des techs. Animé. Portugais. Ah, ça va, 88. Je croyais que c'était Bruno. Je croyais que c'était Bruno. Bon, dans tous les cas, on aura mieux que celui d'avant. Et là, derrière, attention. Sans Troufion, au moins, s'il te plaît. Bravo ! Eh, les gars, est-ce que c'est du jamais vu de packer trois fois la même carte en doublon invendable de l'event de la semaine ? Je crois pas. J'ai jamais vu ça. Et bah écoutez, au moins, on a battu un record, les gars. Il faut bien le prendre. 3 fois 1009, alors que je voulais à tout prix Trent. Je sais pas comment le prendre, les gars. Bah forcément, on le prend pas très bien. Après, c'est pas grave, les gars. Que voulez-vous? C'est comme ça. Autant le prendre à la rigolade. À un moment, à force de me plaindre, ça avancera pas. Donc autant le prendre en rigolant. Ce qui me chagrine un peu, c'est d'avoir eu aussi Van Dijk en doublon invendable. Ça fait beaucoup, mais bon. J'ai l'impression que notre compte, il est comme ça et ça changera pas. Du coup, tant pis, les mecs, c'est comme ça. Que voulez-vous? J'espère en tout cas que vous avez bien rigolé. C'est le but, voilà, de vous divertir. Et c'est vrai qu'à force de râler, ça doit vous saouler. Donc, ma foi, je l'ai pris en rigolant. Pour le coup, j'ai rage-quitté le stream. C'était plus pour, tu vois, pour montrer que j'étais blasé. Mais au fond, au montage, j'étais mort de rire, quoi. J'étais mort de rire. C'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, les gars, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On se capte très, très vite sur Twitch et sur YouTube. D'ailleurs, merci, les gars, pour la force sur Twitch. On a les 5 heures aujourd'hui. On était nombreux et franchement, il y avait une super bonne ambiance. D'ailleurs, si vous venez de YouTube et que vous connaissez pas un petit peu mes streams sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre, les gars. Il y a le lien dans la description. On live quasiment tous les jours et franchement, c'est super cool. Il y a une bonne ambiance et c'est l'occasion d'échanger avec vous. Donc, je compte sur vous pour me suivre sur la plateforme Twitch. Et puis, voilà, allez les mecs, moi, je vais vous laisser là-dessus. En vous souhaitant du coup une bonne soirée et ayez moins de doublons. Ciao, ciao, les gars.